Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, en cette fin de semaine, c'est vendredi. Le vendredi, c'est les paris, mais c'est aussi la méga guerre sur mon KVK. On va parler également des autres KVK, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas être sur le Discord. Ça parle KVK, tips, guides, leaks, tout est sur le Discord. On commence donc tranquillement par les paris avant de parler de cette énorme guerre en cours sur mon KVK. Vous allez voir, il y a des avantages à être sur un Ghost Kingdom, un royaume plutôt calme, voire plutôt mort. Mais avant cela, parlons paris. Moi-même, je découvre des choses sur les royaumes dits Ghost, dits mort. C'est assez intéressant. Regardons ce match qui oppose les 93 T aux 68 T. Je vous ai dit, gardez vos RIC, on se fait un petit stock, les grands RIC, on est à 4364. Je suis un petit peu occupé par le KVK, donc peut-être j'en ai raté quelques-uns. Donc on peut être à mon avis à 4500 ou à 4600, 700, 800, peut-être même 5000. Mais on les garde, on pourra acheter les deux coffres de matériaux, on aurait presque plié. Mais notre objectif est les coffres de matériaux plus les clés de cristal. Donc les pronos, on a les 60 GT ultra favoris avec un ratio de presque 10, hein, entre 9 et 10. Ça veut dire que si on investit nos 4364, on récupérerait quasiment 10 fois plus, hein, donc on dépasserait les 50 000 auric si jamais on pariait sur les 93T et que les 93T gagnaient. On a un roadster des 93T qui se trouve être, alors un roadster c'est l'équipe, hein, à plus de 3 milliards, celui des 60GT à 5 milliards. 5, est-ce que les 93T qui ont battu les JST, qui ont battu les 489, peuvent battre les 60GT? Eh bien, je ne le pense pas. Donc, même si la cote nous dit d'investir sur les 93T, on pourrait prendre ce risque. On pourrait, par exemple, mettre 100 ou même 1000 sur les 93T et faire les paris intermédiaires sur les 60GT. On mixerait le gain. Ça veut dire que les paris intermédiaires, leader du score, d'occupation, de tombeau, de mort totale et de provision, qui va gagner? Sur les provisions, je dirais que c'est les 93T parce qu'ils ont un gros enjeu, mais ça va dépendre. S'ils se font rouler dessus, ils vont pas aller... C'est ça le truc. S'ils se font rouler dessus, ils vont pas aller farmer. C'est pour ça que j'ai un petit dilemme. Est-ce que je parie sur eux là-dessus? De l'autre côté, en mise à mort totale, en score d'occupation, en leader de tombeau. En leader de tombeau, on peut parier, à mon avis, les 60GT, ça va vraiment le faire. En score d'occupation, on peut parier les 60GT, ça va vraiment le faire. Mon interrogation, c'est les leaders de mise à mort totale et les leaders de provision. Peut-être que les 93T, on récupère les pièces ici. Peut-être que les 93T pourraient jouer cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne mise pas tout? On s'économise? Parce qu'on aura encore un 1000 ou 1000, ouais, un peu plus de 1000 la semaine prochaine et on pourra quand même plier le store. Et on se sert des 800 x 2 qu'on récupère, si on récupère bien 1600, pour être au calme. Ou est-ce qu'on prend un risque sur les 93T? Franchement, là, je ne vois vraiment pas. Pourtant, ils sont très bons. Hein. Les 93T gagnés, vous allez dire que je dis n'importe quoi, peut-être, mais dans ce cas-là, on va tout de même rester comme ça. On met ici, encore une fois, les 60GT et sur la provision, c'est là que je me dis que les 93T peuvent essayer de pousser, de faire un effort pour réduire l'écart. Mais encore une fois, s'ils se font exploser, ils n'iront pas là-dessus. Allez, on va quand même tenter de mettre 93T là-dessus sur la provision pour rattraper. Après, il nous reste 3664. Si on met sur les 60T, c'est aux 60GT, on va seulement gagner 10%. On va récupérer 400 à peu près de cette mise. Si on met sur les 93T, on pourrait récupérer bien plus. Allez, 60GT, à mon avis, pas de surprise pour ce premier match. Les 60GT ne se feront pas surprendre. Donc, c'est simple pour résumer. Tous les paris intermédiaires sur les 60GT, sauf un, j'allais dire, je fais une erreur, la provision. Et bien évidemment, on parie tout sur les 60GT
qui, à mon avis, vont gagner ce match. Parlons à présent de mon KVK. Je suis sur un royaume, comme je vous le dis, vous le savez, plutôt mort, plutôt calme, mais pourtant, c'est extrêmement intéressant de faire un KVK pour les middle spenders comme moi, même pour les free players, sur ce genre de royaume. Alors pourquoi je suis derrière? Bah j'ai reculé pour faire une vidéo. Je vais pas occuper une place alors que je suis en train de record, mais je vais y retourner très rapidement, comme vous allez le voir. Je vais vous montrer les scores, je vais vous montrer ce qui se passe. On est le troisième en puissance, le troisième groupe territoire en puissance coalition. On est opposé au premier, on a décidé d'aller vers lui. Vous avez vu, j'ai toujours pas fini la brume, pourtant j'y vais. Hein. De l'autre côté, on a notre allié, le quatrième en puissance, face au deuxième en puissance. Et lui, il a déroulé. Regardez comme ils ont bien avancé. Ils ont vraiment... Oh, ils sont bloqués, mais ils gèrent bien, je trouve, nos alliés sur leurs différentes zones. Ça se frite bien, ça brûle, mais ça tient quand même. Mais pour moi, ils dominent, puisqu'ils vont réussir à les bloquer sur une zone. Il faut juste réussir à les bloquer totalement pour récupérer le sanctuaire, même s'ils sont en contact du sanctuaire. Bref, gros combat sur cette zone également. Pour le moment, au sud, je dirais léger avantage à notre allié. Au nord, c'est kiff-kiff. On tient là. Alors, je remonte. On a réussi à passer la nuit. La nuit, c'est notre downtime, puisque, enfin, la nuit, c'est la tranche 20h, 21h jusqu'à 2h du mat, notre downtime, puisque la majorité des royaumes qui sont, vous le voyez, sont coréens, donc des vrais warriors. Mais pour autant, là, notre downtime est fini. On n'est pas encore sur notre prime, hein, mais ça va arriver d'ici quelques heures. Au moment où je regarde où je recorde cette vidéo, c'est dans 3 heures. Au moment où vous la verrez, on arrivera bientôt à notre downtime. Donc ça va être chaud, vous le voyez. Hein. On avance bien, les flags brûle ou sont en cours. On a même des petits rallyes. Là, on est plutôt bien parti. Je vous ai fait un record que vous voyez la différence. Hein. Au moment de l'ouverture des portes, regardez le territoire. On est ici. Les 67 AO, ils sont avec nous, évidemment. Le nerf de la guerre aussi, il est ici. Et ça brûle, donc c'est favorable pour nous. Et on essaye de contrer hein, au nord hein, les royaumes, le 30 DW et surtout le A806 hein, qui est bien relou. Il a bien poussé pendant la nuit, mais là maintenant c'est à notre tour de briller. Donc regardez un petit peu l'ouverture des portes, vous allez voir. J'ai eu très peur, je me suis dit mais c'est pas possible, on était tous ultra motivés sur le groupe. Il y a un canal spécial hein, qui regroupe tous les plus actifs du royaume. Et 20 minutes avant l'ouverture des portes, regardez, on est 20 minutes et 12 secondes avant l'ouverture des portes quand je vous ai fait ce record, c'était hier. Et eh bien c'est plutôt désert, il y avait très peu de joueurs devant. Moi-même, je n'y étais pas encore car je n'étais pas disponible. L'ouverture a eu lieu à une heure plutôt favorable. 14h, plutôt favorable hein, si votre activité dans la vie c'est rock, hein, ce qui n'est pas mon cas et ce qui est le cas de très peu de joueurs. Du coup, j'ai pu me connecter un tout petit peu plus tard. Je vais vous montrer, je vous ai fait des records, mais ça a bien fight. Nos adversaires, eux, étaient, même si ça reste très modeste, étaient tout de même plus présents que nous devant la porte. Hein. Nous, il y avait 3 personnes. Eux, les 2 portes cumulées, 3 personnes, 3 groupes. Hein. Eux, ils étaient un peu plus tout cumulés. Ils devaient être allez, une cinquantaine de groupes. Donc, on a tout de suite rushé. Là, on est 2 heures après l'ouverture, que je vous dise pas de bêtises. Hein. On est déjà au point de contact que je vous montrais, puisque tout se passe sur cette zone-là. On était un petit peu en retrait, d'ailleurs, hein, mais j'ai réussi à me placer. Regardez comme l'emplacement magnifique que j'ai obtenu, malgré que je suis arrivé, encore une fois, 2 heures après l'ouverture. Moi, j'ai trouvé 1h42, très précisément, après l'ouverture. J'étais ravi de trouver ce spot. Hein. Évidemment, j'avais les buffs qu'il fallait. Ça aussi, un bon coup de chance sur les buffs. On a eu les bons pops de runes, notamment. Donc, c'était très bien. Gros combat sur cette zone-là. Vous le voyez, ce n'est pas parce qu'on est sur des royaumes fantômes qu'il n'y a pas de fight, mais ce qui est très agréable, je trouve, sur ce type de KVK, c'est qu'en fait, en face de nous, on a très peu de baleines max tech, voilà, j'arrive à le dire, hein. Très peu de méga baleines qui roulent sur tout le monde et très peu de groupes qui roulent sur tout le monde. Ce qui fait qu'on a des zones de combat équilibrées et les trades, hein, les rapports et les ratios entre le nombre de blessés et le nombre de points que vous marquez, le nombre de blessés graves que vous faites, le nombre de morts quand vous attaquez des structures, il est plutôt très intéressant.
Donc, si vous n'êtes pas une baleine, alors moi par exemple, j'ai quand même fait quelques achats de bundles, j'ai acheté tous les bundles qui ont pop, sur les cristaux, sur les techs, j'ai également acheté le bundle 50%, je vous le dis de l'acheter, mais ça se limite à ça, je n'ai pas acheté les passes de la montagne, je ne sais pas combien ça représente, je crois que ça doit représenter au total 120€ d'investissement, il y a des experts hein, de ce calcul là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et bien, avec cet investissement là, j'ai des trades très favorable, hein, c'est les seuls investissements que je ferai sur ce KVK. Très favorable, ça avec mes binômes et mes équipes, c'est plutôt très bien également. Tiens d'ailleurs là j'avais un martel qui se mêlait à la foule, c'était celui que j'avais envoyé pour un flag, il avait pour remplir le flag, hein, pas pour être leader de flag. Sinon j'aurais mis Heraclius avec YSS évidemment en troupe mixte. Hein. Je suis resté au front, je me suis très très bien battu sur cette zone là, même globalement, c'est pas que moi, on s'est très bien battu, on a tenu sur le flag. Alors ce qui est relou, c'est qu'il faut tout le temps traduire toutes les balises parce qu'elles sont toutes écrites en coréen, mais les coréens sont des vrais fighters. Et donc, comme je vous le disais, le gros avantage, c'est que sur cette zone là, alors vous dites je vais lancer n'importe quoi comme binôme là, oui je vais sortir n'importe quoi, mais c'est pour aller remplir, si je l'avais sorti pour aller remplir une structure et pas pour aller se battre directement. Donc c'est pour ça, je préfère expliquer avant d'avoir des commentaires, qu'est-ce que tu fais. Au niveau des pairings que j'ai sortis, j'ai rectifié hein, mon pairing après la discussion d'ailleurs pendant que je me battais avec certains d'entre vous. J'ai fini de monter Jeanne, donc j'ai sorti du Nevsky Jeanne, j'ai sorti du Boadice d'abord YSG après avec Zugliang. Vous voyez déjà là mon Guan, j'ai déconné, j'ai dû perdre en trail. Ensuite je le vends en renvoyant. Ce que j'ai fait, j'ai aussi, alors j'avais Scipio, maintenant je le sors avec Medmed, j'ai pas beaucoup mieux, hein, j'ai pas Tariq par exemple pour le sortir avec HQ, je le sors avec Xi, il est plutôt efficace, hein, ça fonctionne bien, bref, en tout cas, des bons binômes, vous le savez, je vous ai déjà montré mon stuff et mes équipements, hein, du bon stuff également, et donc sans être une méga baleine, sans être une baleine du tout, hein, juste un dauphin, un petit dauphin. Vraiment, alors il y a des baleines de mon côté, il y a des baleines du côté des adversaires aussi. Vraiment, on arrive à faire quelque chose de très bien sans claquer énormément de speed-up pour soigner son hôpital, sans claquer énormément de speed-up. Vous avez vu, hein, là, ils ont fait un rallye. Ils viennent de perdre au nord sur le flag sans se défausser de ouf et y laisser son slip à chaque fois. Et on arrive vraiment à faire des beaux scores. D'ailleurs, en parlant de scores, voyons la situation, sachant qu'en plus... on est en KE, donc en KE, c'est vraiment intéressant puisque vous marquez des points sur plusieurs events. Hein. On a aussi élimination d'ennemis en cours. Certains m'ont demandé, est-ce que je ferai un live de fight, peut-être sur les Terres du Roi ou sur une autre ouverture de porte. Hein. Là, l'horaire n'est pas forcément le plus favorable. Ça a déjà ouvert et ça va commencer à se calmer car le désavantage tout de même d'être sur des royaumes qui sont... beaucoup moins peuplé, c'est que les combats vont durer beaucoup moins longtemps, parce que, excepté hein, certains joueurs qui ont des CB infinis, il y a quand même des CB infinis sur ce genre de royaume et de KVK, et bien les autres vont être vraiment low en troupes. Vous allez voir, moi je commence à avoir quand même pas mal de morts, j'ai dû perdre 2 ou 3 millions seulement pour un bon score et des bons trades, comme vous allez le voir. Passons à cette partie score, justement. Vous allez le voir, tac, hein, comment ça se passe au niveau déjà du kill event qui a commencé aujourd'hui. Eh bien, ça permet de faire des méga scores. Hein. Si on regarde le plus grand gouverneur actuellement, je suis en tête avec 104 millions de points. Ça monte bien derrière, hein, ça pousse bien, 64 millions, 48 millions. Sur le classement total, je suis en tête, même si la première place ne m'est pas attribuée. Donc évidemment, je laisserai passer les autres dès demain. Mais en ce moment, vu qu'on se fight... autant en profiter, j'essaierai bien d'aller taper un 150 ou 200 millions de scores hein, si j'en ai la possibilité. Mais surtout, ce qu'il faut aller voir, hein, c'est dans Guerre de Conquête, hein, le score que vous avez sur élimination d'ennemis qui permet de bien voir si on avance bien. Je suis pas dans le top 100, malheureusement, je suis à 117 514 325, un score plutôt pas mal. Le premier, il est énorme, hein, Nîmes, avec ses presque 700 millions, hein,
Elking, excellent joueur, très très grosse baleine. Il mériterait la première place. Il fait un taf de ouf, tant dans le lead, dans le placement, que dans le jeu. Franchement, il assure, vous le voyez, hein, les deux premiers sont de ma coalition, puisqu'ils sont sur la terre, hein. Même le cinquième, ce qui montre. Et après, regardez, hein, on est très très bien classé. Si on prend le top, allez, 1, 2, 5, 3, 5, non, c'est bon. Sur le top 10, hein, on est 6 de mon camp à être dans le classement. Vraiment énormissime. Et moi, est-ce que je peux rentrer dans le top 100? Alors oui, je suis premier de mon royaume, c'est du 1474, normal pour le moment. Plus l'horaire n'est pas encore au prime, hein, pour les Coréens, donc ils vont sûrement me passer devant. Il me faudrait 123 millions, ce n'est pas très loin du tout. Et après, je n'ai pas pris tant de morts que ça pour le moment, si vous regardez, hein, j'ai pris que 373 000 morts et majoritairement, alors oui, là, je ne sais pas pourquoi j'ai ce genre de morts-là, j'ai dû me faire taper des femmes ou je ne sais pas, me demandez pas d'où ils sortent, je n'en sais rien du tout, majoritairement pour le moment, des T5, ça va monter, même si ma puissance n'est pas ouf, il va falloir que je fasse masse troupe. Parce que je suis plus qu'à 70 millions. Alors avec mon hôpital, hein, je dois être peut-être à 72 millions. Mais pas énormissime. Il faudrait que je crée des troupes. Je vais attendre que le MGE se termine, hein, pour créer ces troupes. Pour ne pas polluer justement le score et prendre les places des autres. Les prochaines étapes, évidemment, c'est repousser totalement notre adversaire sur ce KVK qui se bat bien. Je sais que certains d'entre vous sont sur le Discord, hein, et sont en face de moi, notamment chez les 30 DW ou les E75. Normalement, regardez, hein, si on regarde le front, ça s'annonce bien par rapport à la vidéo que je vous ai montrée. Ça doit brûler, ça brûle plus ici, mais ça a brûlé. De notre côté, pareil, ça brûle plus, mais ça a brûlé. On regarde toutes les zones de jointure. Ici, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, le fight actuel est ici. Et leur flag brûle, donc on continue d'avancer. Au nord, c'est leur forteresse carrément qui brûle, hein, celle de leur sub, la B806 qu'ils ont posée pour nous empêcher d'avancer. L'enjeu, il est simple, hein, pour nous. L'enjeu, il est de récupérer le sanctuaire, bien évidemment, hein, en posant un petit flag ici. On devrait pouvoir le toucher, le sanctuaire, l'ouverture n'est pas encore annoncé, mais le but est pour nous de l'obtenir et de repousser et d'enfermer l'adversaire. Ça va être un petit peu long, ça va pas être pour tout de suite, hein, mais on va le faire dès que possible. Le K671, leur forteresse ne brûle plus, ils sont en contact, mais le flag non plus en face ne brûle pas. Il va falloir qu'on se bouge durant notre prime. Voilà pour notre KVK, pour mon KVK. Vous m'avez posé de nombreuses questions, n'hésitez pas encore à en poser en commentaire ou directement sur le Discord. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Les amis, si cette vidéo vous a plu, que vous voulez plus de combats, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.